Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Les larmes du paradis, la série s'achève. Après de multiples épreuves et rebondissements, voici le dénouement de cette passionnante et magnifique série. Comme d'habitude, la fin d'une série est toujours pleine d'émotions. Donc voici l'épisode final de la série Les larmes du paradis, l'épisode 115. Chez la famille Sawyer, Sema joue avec son petit-fils. Maï rentre et l'appelle, mais Sema, qui tellement obnubilé par l'enfant ne se rend même pas compte de sa présence. Maï admiratif observe sa mère qui joue avec le bébé. Selim se rend à sa voiture quand Nilgun arrive et lui dit qu'elle voulait juste le protéger, mais elle a eu tort et elle lui demande de la pardonner. Selim lui répond qu'il était fatigué de se battre et que tout ce qu'il souhaite c'est un peu de bonheur. Nilgun en pleurs lui demande s'il a une petite place pour elle. Selim sourit et prend sa mère dans ses bras. Nilgun est en pleurs. Tous les deux sont très émus de cette réconciliation. Senet dort dans les bras de sa mère, Arzu la caresse, lui fait un bisou et s'endort par la suite. Chez les Sawyer, Sema continue de parler à son petit-fils et Maïr lui dit que peu à peu le bonheur revient dans leur maison et qu'elle ne se sent plus abandonnée. Sema lui dit que c'est vrai que tout le monde est parti et Maïr lui dit qu'il lui reste son petit-fils qui grandira avec eux dans cette maison et qu'elle a elle-même dit que c'était le petit-fils le plus adorable et le plus mignon du monde. Sema reconnaît cela et elle dit à Maïr que Slem appelle l'enfant Berk, pourtant elle avait dit que l'enfant s'appellerait Risa. Maïr lui dit de ne pas s'inquiéter et que tout le monde appellera l'enfant Risa. Sema est satisfaite de cela. Au milieu de la nuit, le téléphone de Arzu sonne, ce qui la réveille, et quand Arzu prend le téléphone, elle voit que c'est Kaya qui l'appelle. Arzu choqué laisse tomber le téléphone. Arzu complètement paniqué décroche. C'est Kaya qui lui dit qu'il est dans son jardin et qu'il l'attend. Arzu est morte de peur. Elle va dans le jardin et voit Kaya qui l'attend. Arzu choqué lui dit que c'est impossible qu'il est mort et qu'elle l'a vu mourir de ses propres yeux. Kaya lui dit que les gens comme lui doivent mourir et que ce n'est pas de la faute de Arzu. Arzu affolé lui demande ce qu'il veut d'elle et Kaya lui répond qu'il est juste venu la voir pour lui dire qu'elle n'a rien fait et qu'elle ne doit pas se sentir coupable, qu'il méritait de mourir. Kaya pour la première fois l'appelle Arzu, il lui dit au revoir et s'en va. Laissant Arzu complètement terrifié qui hurle et lui demande de la laisser tranquille et de ne plus apparaître dans sa vie. Quand tout d'un coup Arzu se réveille en sursaut, en effet toute cette scène était un cauchemar. Arzu paniqué par ce rêve prend son téléphone pour vérifier si Kaya l'a réellement téléphoné, mais rien, elle n'a reçu aucun appel, ce qui la soulage et la fait se calmer après son terrible rêve. À la maison, c'est le jour du mariage, les maquilleurs et coiffeurs s'occupent de la mariée lorsqu'Arzu rentre retrouver sa fille Senet. Toutes les deux sont très heureuses et Senet lui dit que tout ce temps elle a été tellement heureuse et qu'on dirait un rêve et que quelque chose va se passer. Arzu dit à sa fille que c'est vrai qu'elle ne peut pas les protéger de tout mal, mais ce qui est sûr c'est que si quelque chose de mal arrivait, qu'elle soit sûre qu'elle en prendrait le mal d'abord sur elle. Toutes les deux se mettent à rire et Arzu lui dit qu'elle mérite tout ce bonheur et même plus. Melissa appelle Senet et lui demande de venir. Senet lui dit qu'elle arrive, mais avant de sortir elle donne un câlin à sa maman d'abord et s'en va ensuite. Arzu est très heureuse. Chez les Arizwai, Selim descend en costume de mariée et Nilgun, en voyant son fils, est ému et lui dit qu'il est très beau. Selim aussi complimente la beauté de sa mère. Nilgun lui souhaite tout le meilleur avec Senet et espère qu'ils lui donneront de beaux petits-enfants. Tous les deux rigolent. Selim lui dit qu'il doit aller chercher sa fiancée et Nilgun lui demande si elle peut venir avec lui. Selim ému lui demande si elle est vraiment sérieuse et Nilgun lui répond oui et qu'elle veut aller avec son fils chercher sa belle-fille pour la conduire au mariage. Selim accepte avec joie, prend la main de sa mère et tous les deux sortent de la maison. De l'autre côté, Arzu vient aider Mukades avec son maquillage. Toutes les deux sont très heureuses et disent qu'elles seront toujours ensemble en famille. Quand on klaxonne et Arzu appelle ses filles et leur dit que Selim est arrivé et les attend, les filles lui répondent qu'elles arrivent. À l'étage, Senet a fini de se préparer. Melissa qui l'accompagne est très émotive et coule une larme. Senet lui demande ce qu'elle y a et Melissa lui dit que s'il y a quelques mois on lui avait dit qu'elle serait dans cette situation aujourd'hui, elle ne l'aurait jamais cru. Senet lui dit-elle si qu'elle a toujours cru en eux. Melissa lui souhaite tout le bonheur du monde et qu'elle soit très heureuse. Les deux se prennent dans les bras et sortent ensuite de la chambre toutes joyeuses. Senet arrive au salon avec Selim qui l'attend tout nerveux. Quand il la voit, il est subjugué par sa beauté. Senet prend les bénédictions de sa grand-mère et va vers Selim. Celui-ci lui fait un baise-main et toute la maisonnée les applaudit en joie. Les deux amoureux se prennent par le bras et s'en vont. Ils arrivent sur le lieu du mariage et font leur entrée sous les applaudissements nourris de l'assistance. Tout le monde est heureux pour eux et Senet et Selim aussi sont très heureux.
À la table de mariage, la juge commence la cérémonie de mariage. Elle demande à Sénette si elle veut épouser Selim. Sénette, toute heureuse, répond un grand oui. Tout le monde applaudit. C'est au tour de Selim et la juge lui pose la même question. Selim répond oui et tout le monde encore applaudit. La juge leur déclare mari et femme et dit à Selim qu'il peut embrasser la mariée. Selim fait un bisou à Sénette sur le front et sur la joue. Ils sont très contents. Ils ensuite chacun à leur tour les papiers de mariage. Tout le monde félicite et applaudit les nouveaux mariés. C'est le moment des félicitations. Toute la famille vient féliciter les mariés. Arzu souhaite tout le bonheur à sa fille, Nilgun, Sema, Melissa, et les invités les félicitent. Nilgun va voir Mukaddes et lui demande de lui pardonner. Mukaddes lui dit que si elle ne fait plus jamais de mal à sa petite, c'est l'essentiel pour elle, et Nilgun lui promet qu'elle ne fera plus jamais de mal à Sénette et qu'elle la traitera comme sa fille et protégera leur bonheur et de son fils. Mukaddes se réjouit d'entendre cela et Nilgun prend les bénédictions de la vieille dame. Les mariés continuent de recevoir les félicitations et les bénédictions de tout le monde. La fête commence et l'ami chanteur de Selim commence à chanter. Les mariés se mettent à danser et profiter de la musique. Melissa, lorsqu'elle voit le chanteur, elle tombe totalement sous le charme de celui-ci. Le chanteur en retour le lui fait savoir aussi. Sénette et Selim dansent et chantent tout heureux sous le regard bienveillant de leur famille. Après la chanson, Selim et Sénette vont remercier le chanteur et celui-ci les félicite pour leur mariage. Melissa arrive et Selim fait la présentation à son ami Sem. L'homme la salue et lui fait un baise-main. Tous les deux sous le charme se regardent. Selim et Sénette s'éclipsent pour les laisser parler seuls. Melissa est ravie. Mahir vient s'asseoir à côté de Arzu et il voit Melissa en train de flirter avec le chanteur. Les deux parents sont surpris et Mahir dit qu'il n'a jamais vu Melissa ainsi et il veut aller l'appeler, mais Arzu lui dit de la laisser tranquille et que maintenant Melissa est une femme adulte. Mahir lui dit qu'il s'aimait à ses yeux, Melissa sera toujours sa petite fille. Arzu lui dit que maintenant tout le monde est tellement heureux ce que Mahir conçoit et lui demande si elle est heureuse. Arzu reste pensive et elle se lève de table. Sénette remarque que sa mère s'est un peu isolée, elle s'excuse auprès de Selim et va rejoindre sa mère. Sénette retrouve sa mère et lui demande si tout va bien. Arzu, tout émue, lui répond oui et elle met sa main sur le cœur de sa fille et elle demande à Sénette si elle l'a vraiment pardonné, si elle a vraiment oublié tout le mal qu'elle lui a fait. Sénette rassure sa mère et lui dit que tout est fini pour elle et qu'elle aime plus que tout. Arzu est très émue quand Melissa les rejoint et s'assoit à leur côté. Arzu avec ses deux filles témoigne comment elle est heureuse et que ce bonheur incommensurable. Melissa dit qu'elles vivront ensemble et se soutiendront. Sénette ajoute qu'elles sont maintenant une famille unie et heureuse. Arzu prend ses filles dans ses bras et elle ajoute qu'elle n'a pas besoin de plus pour être plus heureuse dans la vie. Mère et filles sont très émues, c'est l'émotion. Les filles sont en pleurs et Arzu leur dit d'arrêter de pleurer et qu'elles doivent retourner maintenant à la cérémonie. Arzu accompagnée de ses filles reviennent à la fête où Selim et le chanteur les attendent. Arzu tenant ses filles par le bras les regarde, elle fait un bisou à sa fille Sénette qui va ensuite dans les bras de Selim. Et elle fait un autre bisou à Melissa qui va dans les bras de Sem le chanteur, et les deux couples se mettent à danser sous le rythme de la musique. Toute l'assemblée les regarde avec bienveillance, Arzu est très émue et fière, regarde ses filles avec joie qui sont toutes les deux très heureuses. Arzu satisfaite est enfin heureuse. C'est ainsi que se termine cette magnifique série, Les Larmes du Paradis. Une série riche en émotions à l'histoire si singulière et touchante. Entre intrigues, pleurs, secrets, chantage, changement de vie, jalousie, amour, l'histoire d'une mère et de ses deux filles, de l'histoire d'amour entre Selim et Sénette. Merci d'avoir regardé cette série fabuleuse qui nous a tant captivés. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette merveilleuse série turque et quelles leçons avez-vous retenu de cette histoire. Voici les acteurs principaux de la série Les Larmes du Paradis avec Essra Ronabar dans le rôle d'Arzu Soyer, la mère de Sénette et Melissa. Continuons avec la belle Almila Ada qui joue le rôle de la sensible Sénette Yılmaz, une jeune fille orpheline déterminée à retrouver sa mère. Ensuite nous retrouvons Berk Atan qui interprète le rôle du beau et séduisant Selim Arisoe, fils adoptif de Nilgun et Cengiz. Enfin, nous avons la talentueuse actrice Zehra Yılmaz qui joue le rôle de la volcanique et manipulatrice Melissa Soyer, la fille de Arzu et de Mahir Soyer. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.